This is the video 2. You have to refer to the first video at the video called The Value of 1 Million, https://www.youtube.com, watch, interrogation mark, V equal R Z 3 VP 9 R FB VC. So refer to that one so you can keep going, continue. What we are going to see today, this is a summary, and we review the concept of place value, first place, second place, and third place. We know the first place correspond already to units. Second place is 1 by 10, 10. And third place is 1 by 10 by 10 is 100. And we introduce a new concept about the variable. We say it's a letter for a specific set of numbers. After that, we add in whole numbers. So there are three kind of activities we are going to do today. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur de la place, et la valeur et la première place, deuxième place et troisième place. Et nous savons que nous allons compter par 10. Et la première place, on parle des unités. La deuxième place, on parle des dizaines. Et la troisième place, on pourra parler des centaines. Et on va introduire la notion de variable, qui est une lettre et pour représenter un set, un groupe de nombres. Et ensuite, après, on va apprendre à additionner, comprendre le concept d'addition, additionner les nombres entiers. Ce nombre-là fait parler de valeur place, comme nous t'ai parlé l'autre jour. Première place, deuxième place, troisième place. Et puis, première place, on t'ai parlé de unité. On n'a compté pas green. Vous comprenez? Et deuxième place, là, c'est là, on n'a compté pas 10. Troisième place, là, et là, nous, quand on arrive là, 100, qu'on est par 100, nous allons compter. Et puis, après ça, nous allons parler de concept de variable. On a introduit par le concept de variable. Là, c'est une lettre qui va représenter un groupe de chiffres. Ensuite, nous allons apprendre à additionner des nombres entiers. Nous allons additionner, apprendre à faire addition. Mais c'est surtout ces concepts-là que nous avons besoin de prendre parce que nous avons passé dans l'algèbre tout bien. Ok? Ceci dit, today we are going to make the lesson a little fun. We are going to play. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce concept et pour comprendre mieux la leçon. Parce que jouer avec les mathématiques, on va fixer la connaissance. If you play with the math, we can fix what we know. So it's the only way we can fix what we know in playing with the math. So we are going to make a story, and then you will remember better. This is the first place. I think you can see what I see. I make like a little house, and then the little tree over there. Supposed to be a big tree. And then I think I made it represent the first place value. And then what you see all the, let's say those fruits are mangoes, okay? You see all the mangoes fall from the tree, and then it looks like one by one. One by one, it looks like you count unité par unité, one by one. Si vous voyez cette petite maison ici, nous disons qu'elle représente la première place et nous avons mis
Nous avons eu le soin de mettre un pied, un arbre de fruits, par exemple des mangues, et nous disons que les mangues sont en train de tomber un par un. Ça représente les unités, un par un. Nous disons que ça a son petit caille et que grand pied mangue au bon côté, grand paquet mangue là-dedans qui va tomber grain par grain. Selon on a parlé compte grain par grain, nous allons parler de unité units. Unité units. Maintenant, we are to continue saying that all the mangoes now we got to count. Now you got 1, 2, 3, 4 mangoes here. But the 4 mangoes here, but that they could be you can find like more than 4 because maybe 10 or maybe 15 mangoes, 20 mangoes. You can count so many mangoes, but you have to group them. You can't leave them. When you got to 9 mangoes, you almost got 10 mangoes. If you got 10 mangoes, now you are going to continue to go furthermore in somewhere else because 10 mangoes, you got to move them. You can stay on the first place. It doesn't belong anymore. When you count 10 mangoes from the tree, that's it. You got keep going. So vous, quand vous avez plus de 4 mangues ici, vous avez beaucoup là, vous avez 20 mangos, bien 10 mangos, 11 mangos, vous avez trop de mangues, vous devez les grouper. Et nous allons commencer par les grouper par 10. Par 10. Et quand vous avez des groupes de 10, ils ne appartiennent plus à la première place. Vous devez les enlever et les envoyer à la deuxième place. So, nous avons des mangos qui sont tombés là. L'autre pile de mangos qui vient d'assembler là. Nous pas quitter depuis au dépasser 9 hein, je vivais 10 mangos dépasser à dépasser nous commencer à faire paquet yo à pas paqueter yo pas des groupes de 10 nous voyons aller la second place là parce que c'est trop baba ici. Now we say we have too many mangoes here and then we are going to move. So now you see there is a movement. It looks like people come from another country, come to the United States. There is a movement. It's not static here. There is a movement. It's dynamic. So now you got to move a group of 10 mangoes. This is like this lady you see, that beautiful girl. You got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangoes. 10 mangoes. So the beautiful girl has already like she got a special shoes so she can run, move with those mangoes. So you see, they have to go to the second place because they don't belong anymore to the first place. They got more than 9. So now, each time those mangoes are coming up, they make like group. So you can buy many group of 10. This is 1, 2, 3, 4. I put 1, 2, 3, 4. There is one is just coming, and the other one. They are moving to go to the second place. Moving. The first place can't take them anymore. They are moving to the big place who can take them. But you still can count by one on that place. We can say this is 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10. You can still count by one. But you know the one is in each one you got 10. So now is you even though you count by 1, 2, 3, 4, but that's big, we are talking about big numbers. Maintenant, les mangues sont empaquetées et par des groupes de 10. Et si vous voyez ici,
Vous avez un premier groupe de 10 en formation ici, un deuxième qui est déjà parti, un troisième, un quatrième. Cela, vous avez déjà 10, 20, 30, 40. Vous avez 4 groupes de 10. Un premier groupe de 10, un deuxième, un troisième, un quatrième groupe de 10. Cela veut dire que vous avez 4 groupes de 10 et vous représentez 4. On met seulement le chiffre 4 à la seconde place, mais le 4 représente 40. Même si vous voyez 4, le 4 représente 40. Et c'est 4. Vous avez 1 by 10 here, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10. Okay, you can say also 4 by 10. Nou ou genye ti madame sa ki gen 10 mango la men la, son paket li fe. Et puis, il te deja fon premier paket ki te deja brale deja, mon deuxième et troisième. Sa fe koun ya 4 paket de 10. Mon premier paket ki gen 10, mon deuxième paket ki gen 10, mon troisième paket, mon 4 paket de tout brale, lankay sa ke se seulement de 10 kap pale. Sou pa 10 ou pa ka arrive, sou pa gen groupe de 10 ou pa ka arrive. Se pa groupe pou ale. Sou se de groupe. Que groupe yo c'est pas groupe de 10, chaque groupe yo gen 10 là-dedans. C'est histoire que là nous comptons nous c'est 4 groupes de 10, nous mettez chiffre 4 comme second chiffre parce que nous va former un chiffre le 944. Nous te gen premier 4 graines yo là qui de graines qui pas ka faire 10, nous mettez là. Nous vinn te gonté un premier 4 groupes, nous te gon paquet 10 qui là toujours là calé 4 fois 10 bon 40, donc nous avons 4 qui représentent. Mais depuis avant, tu as plus de mango déjà bralé, qu'on y a un paquet de groupe de 10 ça, qu'on y a vu pas groupe de 1 qui là. Chaque son groupe, chaque graine ça, c'est 10 que vous avez. Jusqu'à ce qu'on ait contrôlé à 100, c'est une grosse affaire. Sur place, ça a vint trop petit, qu'on y a la vie ouvrée. Now, we are saying that here we are still counting by 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, but that form a group of 10. And then we have a group of 10 here, a group of 10 here, 1 by 10, another 1 by 10, another 1 by 10, another 1 by 10. So you can say 1, 2, 3, 4 multiplied by 10, that gives you 40. Okay? 40. But you got all those packets of 10, all those packets of 10, they are going to accumulate here. But if you got 10 by 10, it's too much. We can leave them here. Because you got to keep moving to the bigger city to put them. Because that is a small city, can't put so many of them here. So that means each time you got to change the place. They got to move, they got to move, they got to go. You got to, that girl already have everything to move up. Because he got 10 times 10. So we got a limit. So we can keep them. That one, if you have 10 by 10, they don't take you, you got to move. They got to go. They got to go. So, je disais que si vous avez un groupe de 10 ici, ils se sont accumulés, ils continuent de s'accumuler tout. Ils continuent l'accumulation et quand ils arrivent ici quand ils vont arriver ici, on va leur donner une limite à respecter. Ils ne peuvent pas rester jusqu'à avoir la 10 par 10, ils deviennent déjà 100. S'ils ont 10 par 10, ils doivent mettre leurs souliers, de spécial choses pour aller commencer à voyager, pour aller vers une autre place. On peut dire pour aller vers une autre city. Et parce que
cette city-là est trop petite, puisqu'ils sont déjà en trop grand nombre. Ils doivent se déplacer. Ce n'est plus leur place. Ils doivent partir, 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 porter, 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 porter. Parce qu'ils ont déjà rassemblé même des groupes de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec date moins. 9 sont déjà paquets comme ça qui sont déjà accumulés. Non, non, non. Chaque paquet, ils doivent partir. Ils sont déjà en route pour partir ici, pour aller faire le compte ici, pour essayer ici. So, maintenant, les groupes sont formés, ce sont par des groupes de 100. Ils doivent partir, ils doivent arriver ici. So, nous disons comme ça que, mais qu'on y est là, 40 vins là, mais t'es que t'es grand pile qui est déjà allé. Ils disent, leur arrivée là, ils n'ont pas fait pour dépasser 10 fois 10. Avec dit comme ça que, le groupe sac là, même s'il n'y a pas accumulé 10, chaque 10 cap vini là, il prend yo, coup, il vient dépasser 90, il vient l'ensemble, les trois, il n'y a pas de encore là. Les gars, tout le monde, si tu as un petit, les trois petits, il n'y a pas de encore. Je dis comme ça, bon, on n'a pas que tu yo, on a pris un jeu par 100. Alors, il en chaque, on a mis ton premier 10, deuxième 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 par 10 donne 100. Qu'on a nous allons place value ça que le third place qui prend tout sac qui gagne 10 par 10. So nous voyons le premier sac aller 10 par 10, nous voyons le deuxième, nous voyons le troisième, nous voyons 9 aller. Et ça fait dire que le place value third place là son chiffre 9 n'a pas été, nous voyons 9 aller. 9 aller. We are saying that when this little this house getting too much, like in the bag, you got more than 9, 10. That's when you got 10, 10. So you make a big packet and then you got to move. You got to go. So there we already have 9 times 10 here. Nine times. Et de not 9 times the packet of 100. So that means they are going to that place value of 100. And we got like to form another packet and let accumulate all the 100. And then they can go up to, they have to stop to 900. If they got one more 100, it already too much. They go to 1,000, so they got to go. They got to go for a bigger place. Bigger place. Each time, bigger place that can contain them. Bon, on disait que ici dans cette petite maison là, on ne peut pas prendre tous les sacs. De chaque sac de 10, si dans le sac de 10 on est arrivé à 90, on peut rester. Mais si on est arrivé à 100, non, non, vous ne pouvez plus rester, vous devez vous déplacer. So, ils avaient déjà 9 cargaisons, 9 paquets qui sont déjà partis, chaque à 100. Je savais déjà qu'ils ont arrivé ici dans la place de 100. Et que maintenant il compte par 100. Maintenant, le compte c'est par 100. Voilà, vous avez 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ça fait c'est 900, 900. So, vous voyez que sac ça, c'est 10 par 10 qui est là-dedans. Lorsque vous allez venir, nous avons 10 par 10, nous avons 100. So, c'est yo vin move là qu'on y a eu à contrôler accumuler tout ten par ten yo ensemble en third place là. So, nous vin former chiffre ça, nous dit que nous vin gen 900 là. Maintenant nous still gen en 40 là et puis nous vin gen 4 unit là. So we say that we have now 4 units here, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 unit here. And then you got 4, 10,
for la de for the second place. For first place you got 4 units, second place you got 14, and the third place you got 9,100. We got 9,100. This is we form the number called 944. So this is for the first slide. Now we are going talking about the variable. So we are saying that people move. Okay, we can say that you have people from Massachusetts on that row that move to meet people on that column of on you can say like to meet people in Florida. So you got all that row got like a set of elements here. And then if you pick like the 9, you can say, okay, this is the first addom. We can pick here like the digit 6. So we got a digit 9 and the digit 6. And then they meet together and the result is 15. That means you can like form a, say like we got the little, I know you can say you have that little sugar, glucose sugar, you can add them. And then you got a set of elements. You got a set of elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You see that? You have a set of elements in my hand here. Okay? You got a set of elements on my hand. And then this is the pink. You can see, I don't know if you can see, it's a pink colored glucose tablet. And that one is almost the same color, but this is white. Okay? I'm going to put on the other hand. We got 1, 2, 3, 4, 5. The set of element of the 5 represent 5. We got a digit 5 here, okay? And the other one was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you got 2 digit now, the digit 8 and the digit 5. What you can say that the digit 8, you can call it like, you can say is A, is a letter A. And the digit 5, you can say is a letter B. And then when you add them together, and then you can say 8 plus 5 done 13. So you got a combined set. A combined set called, yeah, called, like, the result is a combined set. Nous disons que si nous comptons ces glucose tablettes, nous comptons jusqu'à ces glucose, nous comptons, nous les avons comptés jusqu'à 8. Et nous avons un autre groupe, nous avons compté jusqu'à 5. So nous avons un groupe de 8 et un groupe de 5. So nous les additionnons. 8, le groupe de 8 plus le groupe de 5. Et puis ça va nous donner le résultat de 5, 13. So nous disons que 13, c'est une combinaison de deux sets. Un set et un autre set. D'après les sets, nous avons dit ça, c'est la baïolette. Nous avons dit ça, c'est E, la lettre E. Et puis nous disons ça, c'est la lettre B. Nous avons dit A plus B égale C. Et CA, c'est 8 et 5, 13, c'est 13, chiffre 13 là, qui va le bas où, combine 7, il va combinaison de deux groupes ça, combine groupe, un groupe qui combine. So, mais, nous connaît que, nous dit que, yon qui vient sorti le premier groupe là, nous vient prendre un premier groupe là, un premier groupe là même là, on prend? Un premier groupe
nous gagnons un deuxième groupe. Mais toutes ces deux glucoses n'a pas les nous qu'à mettre ensemble. C'est même unité, même deux et même bagaille, nous qu'à mettre ensemble. Ce so, groupe ça là, avec groupe ça là, nous dit ça représente lettre A, nous dit ça représente lettre B, et puis nous additionner ensemble. Nous additionner ensemble, et puis nous dit E plus B, et la lettre A plus lettre B, li bal ben nous lettre C. Lettre C a ses résultats. Comme dit lettre C. Vous dites 8 et 5 bon 13. Ça, vous connaissez l'or algèbre ou bral fait équation. Sauf so, qu'à comprendre le concept, c'est le même concept arithmétique là, il commence pour comprendre. We are saying that arithmetic give you the concept of algebra already. Because when you said you got a set of elements. Set of elements, like I got a set in my hand. We already count a set, 5. And then after that, we got another set, 8, in other hand. And then we say one set is A. We call it the letter A. The second set, we call it the letter B. You see, we got the second set, the letter B. So A plus B equal, if we put them together, combine it, equal 8 plus 5 give you 13. The combined set 13. You can call it C. So A plus B equals C. So you got already an equation, an algebraic equation. You already have it. So when you put, we call A and B and C like variables. So you already now introduce the concept of variable. So maintenant nous avons introduit le concept de variable. Nous avons introduit le concept de variable. Like we say that we got a set of six units. And you got a second set of nine unit. But what you want to put all of them together to form a combined set. But what happened when you put them together? You find a 10. You find a 10. Because you got too much, you got 13. You can find a 10, so we can regroup them again. We can carry over when you going to do to add the whole number. You can count that to regroup again, like you understand in the first place on that first slide. So we have the whole number 6 plus the whole number 9. It equal 15. We call the number 6 like adding. We plus that, if you sum it with 9, it gives you a combined set 15. So it looks like 6, you got the set of elements 6. That means in that set, we have a set of elements. That means you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus another set of 9. The 9, that's mean inside the 9 set, we can have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we combine them in a big set. You got all of them that become 15, a combined set. Okay? But we see when you got 15, remember, you got more than 10. You got to start packaging in by 10. So when you start packaging by 10, we'll find a 10 in 15, and then we got only 5 left. Okay, this is like in your mind you keep, there is 3 places. This is what going on in your mind. You know, you got 3 places in your head. For now, you got unit places first place, 10 places second place, and 100 places. Okay,
the third place. But you know you can add more place. This is 10. This is 10 by 10. You can have 10 by 10 by 10. 10 by 10 by 10. You keep going. Keep going. Donc, ce que vous avez là, vous avez... Oui, comme je l'avais dit, ici, vous avez de... Vous avez un sac de 6, de 6 éléments. Vous avez aussi là un set de 9 éléments. Alors, un set qu'on appelle 9, mais vous pouvez compter 9 éléments là-dedans. So, vous les mettez ensemble. Vous avez un groupe de 15. Mais quand vous avez un groupe de 15, vous avez trop. Vous devez former le groupe de 10, comme je vous avais dit dans la première slide. So, vous devez commencer à les grouper par 10. Et c'est ainsi que nous donnons des noms. Nous disons que et nous avons le variable A, qui est le chiffre 6, le nombre entier, le nombre entier 6. Et puis vous avez variable B, qui est le nombre entier 9. Et puis, actuellement, le 6, vous avez 6 éléments à l'intérieur de ce groupe. Et le 9, vous avez le 9 éléments à l'intérieur de l'autre groupe. Nous les mettons ensemble. Et puis, il vous donne un groupe combiné avec tous les autres éléments dans le même sac. Mais nous savons que nous allons regrouper par 10. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et nous dit que nous avons chiffre 5 et 6 là, que nous prenons là, avec chiffre 9 là, que nous prenons là. Qu'on y a tous les deux, nous dit que nous allons combiner, nous allons mettre tout ensemble là. Vous comprenez? Et nous allons les 6 là, ils sont variables A, nous allons lettre, et nous allons prendre variable. Et nous allons le 9 là, nous disons variable et tout, nous allons le B. Et nous mettons ensemble les boss. Et bon, l'autre variable est ici. Pourquoi ça nous allons le variable là? Parce que les variés, nous devons prendre et tout. Nous devons prendre 2, nous devons prendre 6, nous devons prendre 5. Nous devons faire plusieurs combinaisons. Plusieurs combinaisons que nous avons fait. Comprendre ce qu'on y a là et ça fait que nous ça c'est combinaison ça nous quoi. We are saying we can make different combinaison also. We took the example of 9 plus 6 but you can say also 6 plus 5, okay, 4 plus 4. We can have different set of combination, okay. This is one example but you can make your own set of combination. Now, you are going to add in the whole number. When you are going to add the whole number, you have to have picturing that place in your head. In your head, you pictures per place. So, like you want to add 96 plus 29, and then you already imagine the 6 and the 9 are on the first place. So you arrange them. The 9 and the 2 are the second place. Before you add them, you already place them in the way you can't count them. Okay? In the way you count them, because you know we have places. You know, we talk about it, we know we have places. Because when you start to count, when you get to the 10, it's too much. You got to move, people, move. Not too much, the city is too small, can take people like that. Too small to take million people. So you got to move them somewhere else. There is a capacity. There is a capacity they can have. So, je disais que vous avez... Nous allons commencer par compter les nombres entiers.
Et si nous prenons le 96, nous allons additionner à 29. Nous allons les mettre dans un ordre, dans notre tête, nous avons cet ordre pour les chiffres que nous allons additionner. Ça va nous aider. Parce que nous savons que quand on dépasse les tens, nous allons commencer par grouper les tens dans notre tête. Ce nous pouvons mettre, par exemple, nous savons que le 6 et le 9 seront dans la première rangée, la rangée des unités. Et puis, on continue là, on sait que le 9 et le 2 sont dans la deuxième rangée, là qui sont dans le groupe de thème. OK? Et éventuellement, there is a third place, c'est-à-dire qu'il y a une troisième rangée, il y a une troisième rangée ici, que nous savons que ce sera la place des 100. Et ainsi de suite, on pouvait augmenter les rangées. On pouvait augmenter, continuer à augmenter les rangées. So, what is it? Et non, nous dit que nous allons additionner, qu'on est là, nous allons faire addition. Nous prenons 96, nous allons additionner à 29. OK? Mais en tête, pas nous, nous avons gagné l'ordre ça en tête. Nous avons gagné une première rangée à bras l'unité, deuxième à bras l'unité, l'autre à bras l'unité. So, nous mettons comme ça, 6 et 9. 6 en bas, nous mettons 9 là en bas, 6 là. Nous mettons et 29 là, 9 là correspond à 2A, parce que nous disons ça, bral la range pour first place unit yo, ça bral second place yo, et ça bral third place là. Et ça, qu'on y a comment nous allons compter, nous allons dire 6 et 9, 15. Nous disons, oh, les gars ont plus que 10, et mais ça bral fait, m'a quitté 5 unités. Là, qu'on y a groupe 10 nous fait, nous, ou qu'on est, nous galer le one. Nous te dis nous, même si c'est 10, nous le one ten. So, Livin mette one là. Li gonne nous gen one ten, nous va faire ça à cadeau, groupe de ten ça. Ça li même l'on additionne, li te bon, 9 et de 11. Mais si nous additionne un, one ten nous pote carry over, et puis nous va le bon 2 là. 11 et 12, li bon 2 là. 1 et 9, 10 et de 12. Et puis qu'on y a ça li même tout là, li gonne a Livin bon ou 3. Et puis nous venons mettre un dans la colonne de 100. Parce que nous venons gagner plus que 10 fois 10. Nous venons gagner 10 fois 10 plus 2 encore. Nous venons 3 pour nous. So nous allons rester avec deux groupes de 10 ça. Et puis nous venons gagner former un autre que nous venons mettre là. We are saying that when you add 6 plus 9, you know you have 15, right? But 15, you can find a 10, a group of 10. So what you say, you put the unit here, okay? But you know you got to move. When you got 10, you got to move. Don't stay. So we are going to call the 10 one. Remember, one 10, one by 10. So the one who put it in red here. So that one who put it in red. But when you put now, maintenant, 9 plus 3 give you 11. Don't forget, you are on the second place. The second place, we are talking about 10. So, we are counting by 10. So, if you find 9 plus 2, dot 11, don't forget you got one more. Here, that's mean 12. So, you got 12, 10. 12, 10. You got to do something about it. 12, 10, that's too much for the little city you got. We told you, you got to move over. So, you got to have 10 times 10. But you can get, when you got too much, you got to move over. It's what you have to remember. Because 10 times 10, it could give you 100. So you got to move that way. If you got 100, you got to go to the third place. It's too much. You got to go to a bigger city. So he has more capacity to take them. So you got to go furthermore. So you take the 10 by 10 that gives you 100, and then you put the one here. So you will, what could be left? You will have 20. These two represent 20. Because you got 2 times 10 left. So on the second place.
That is why you got one, when you add them, you got 125. This is that, you got 100 plus 20 plus 5, it gives you 135, that's it. So si vous avez le additionné, vous avez 6 et 9, 15, vous prenez le groupe de 10, vous laissez les 5. Le groupe de 10, vous dites que c'est, il représente un groupe de 10. Vous additionnez ça, 9 et 2, 11, ça vous donne 11 10. Remember, vous êtes dans la seconde place, la place des 10, la place des 10. So vous êtes là, vous comptez par 10. Si vous trouvez 12, si vous trouvez 11, 11 ça veut dire que vous avez 11 multiplié par 10. Ça veut dire que vous avez le 10 qui est répété 11 fois. Et plus, n'oubliez pas le carry over, le 10 qui est en train de se déplacer, qui ne peut plus rester dans cette colonne, on va l'intégrer dans ce groupe-là. On va l'intégrer. So maintenant, nous avons le 11 plus le groupe de 10, 11 et 1, 12, qui fait que nous avons 12 fois. 12 fois 10, that's too much. Because when you got already 10 by 10, you got to move. Vous devez former un autre groupe qu'on appelle 100. Vous souvenez que si on a 10 par 10, ce sont les 10 qui décident. Si vous avez un seul 10, move. Si vous avez 10 par 10, move. À chaque fois que vous avez 10 par 10, déplacez, allez. Ce 10 par 10 vous donne 100. Donc on est obligé de se déplacer. So maintenant, vous mettez 1 dans la colonne de la troisième place, vous mettez 1. Cette fois que vous avez fini l'addition, vous avez 125. So that means you move. Donc vous avez un 100$ plus un 20$ et un 5$, ça fait les 125$. So vous pouvez décomposer 125, vous avez 100 là-dedans et puis 20$ et un 5. So nous voyons que ou additionner bagayo, si c'est 9 15 ou rester ou quitter grain 5 là. Ou vin gon 10 ou fè le tourner un grain et puis grain ça li même ou connaît que qu'on est en place gen 10 sur la dan ou gen 9 plus de bon 11 fois 10 ou déjà ouais ou dépasser 10 fois 10 là faut move ou gen trop 10 pour y là ou gen trop 10 so de pour compte arriver dans 100 ou va en third place pour compter par 100 so ou va faire paquet. Un paquet pour n'y a paquet de 100, vous voyez aller, puis à l'emplacer. Vous pouvez faire paquet de 100, vous arrivez 100 ou paquet de 100. Vous arrivez 10 par 10, allez, faire aller, vous allez en plus gros place. Ça va en plus gros place, chaque place, vous avez valeur par vous. Remember, we told you for the last lesson, okay, each place has a set of value, has a place of value. So, they got the different value, we got to know the different value. So, first place is on talk about the units. The second, you say you talk about the 1 by 10. The third is a 1 by 10 by 10. And then you keep going at 10 10 10 10 10 until you find the million. And you can keep going over. And remember, we cover all the things you have to cover. And then remember the variable is the letter. Of a specific set of numbers. It was a letter. So that vary. And remember, this person come from Massachusetts and meet this person come from Florida and then they got a result, different result. Okay, they meet together, they got a different result. So that's an idea to think about concept. Now to think about it, and it's variable. That means you got a plenty of combined set you can do. You can do, it's variable. You can do because you got a 9-digit here, 9-digit, and then you can combine them in different set, different combined set. You can combine them. Oui, je disais que n'oubliez pas que la concept de variable dans ce tableau là, nous avons 9 ici,
nous pouvons faire plusieurs combinaisons et avoir plusieurs résultats. Ok, nous avons fait plusieurs combinaisons là, nous avons fait plusieurs résultats. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous sommes capables de faire plusieurs combinaisons. C'est ça que nous venons parler du concept de variable là. So I think we end that lesson now, and then everybody has understood what I'm talking about, and we move for the next lesson next time. See you. Bye.